Pour le plaisir et pour le goût, Mr. Clap, Monsieur Clap, InfoClap Map de Beauport, Québec, Canada. Et pour le plaisir de vous donner mes commentaires sur cette pizza que je vais essayer et vous donner comment, pour moi, comment je la trouve au niveau de la cuisson, le rendu par rapport à la photo aussi qu'on voit ici. Donc, et on a des belles photos. Derrière aussi, une belle photo. On va voir si c'est le rendu est pareil. Donc, pour ça, on va y aller avec des 30 secondes parce que ça va aller sur Google Maps en même temps. Je vais faire un film complet par la suite. Donc, suite goût et plaisir du goût. Tester la pizza qu'on voit ici présentement. Donc, la pizza Red Baron, okay, que je vais tester. Classic crust, croûte classique. 4 cheese, donc mozzarella, cheddar, provolone et parmesan. Est-ce que ça va être bon? On le saura dans la suite. Donc, elle s'en va au four. C'est préchauffé à 400 degrés. Même point là. À tantôt pour la suite. Donc, suite Red Baron, on l'a ouvert, sorti de son emballage dans un contenant plastifié. Elle était congelée au départ. Donc, on a 4 fromages. On a le mozzarella, on a cheddar, provolone et parmesan. Donc, Mr. Clap, un bon plaisir. On va la faire cuire et je vais la goûter et vous donner mon impression sur le goût et le plaisir. Donc, c'est Mr. Clap, InfoClap Map, Google Map, photo et vidéo, statistiques des vues. Et voilà, on continue. Donc, Mr. Clap, teste un produit sur le marché alimentation. Donc, notre bonne pizza Red Baron, 4 fromages. Donc, un test, aujourd'hui, on est le 12 janvier 2024, Beauport, Québec, Canada. Donc, ensuite, je vous donne mon évaluation. OK. C'est parti. Écoute. Côte bien cuite. Fromage, c'est bien. Donc, une note sur 10. Une pause, on va continuer sur notre 30 secondes. Donc, la suite, notre Red Baron. Donc, au niveau de la pâte, c'est pas trop goûteux. Fromage, c'est un seul goût. Tu retrouves seulement un seul goût. Même s'il y a un mix de 4 fromages, tu retrouves seulement un goût. Ça se mange. Donc, une note sur 10 pour la cuisson, elle est parfaite au niveau de la pâte elle-même. C'est assez ordinaire. Et au niveau du goût, il n'y a pas de mélange de goût, même si on a 4 fromages, ça nous donne un goût, pas un goût qui est un goût ordinaire aussi. Ils amènent à aller plus loin dans le plaisir. C'est assez ordinaire comme pizza. Sur une échelle de 10, donc ma note, je donnerais une note de. Je donnerais une note de 2-3, personnellement, pour mon goût personnel. Donc, c'est Mr. Clap, pizza Red Baron. Une note sur 10, 2, maximum 3. Mais. Et voilà, c'était ma note, c'était mon goût personnel. Donc, mon goût personnel, c'est pas le goût des autres. Donc, moi, je donnais mon goût à moi. C'est ça. Je vais quand même la terminer, la manger. Mais je vais refaire l'expérience dans un autre type de pizza. De Red Baron, je vais essayer autre chose. Red Baron. Et voilà, c'était Mr. Clap. Et au plaisir, bienvenue à tous. Beauport Québec Canada, email.
infoclap.ma@gmail.com. Si vous voulez faire goûter des choses, avoir donné votre impression, ça va aller sur Google Maps, photo, vidéo sur Google Maps. Et donc, il y a des statistiques. Je suis seul à avoir les statistiques, mais que je peux montrer à tout le monde qui viennent vraiment de Google Maps. On le voit sur les photos qui sont mises par des vues, le nombre de vues. Mr. Clap, je suis rendu près de 10 millions. Il manque un peu moins de 100 000 personnes que je devrais avoir d'ici les 3-4 prochains jours. Je devrais atteindre le 10 millions. J'étais à 9 900 044. Donc, et voilà, surtout, c'est ça. Donc, je n'ai pas communiqué avec M. Clap. Donc, M. Clap, infoclap.mab@gmail.com, Beauport, Québec, Canada. À la prochaine. Donc, une note de 2 à 3 pour cette pizza-là. Red Baron. 4 fromages. C'est tout. Donc, il faut quatre notes à donner sur la pizza elle-même. Au niveau du goût de la pâte, comme on a vu, on le voit dans la prochaine vidéo. Je sais pas si j'ai fait un 30 secondes présentement. Je donnerai une note de 2 à 3. C'est la pâte est assez ordinaire. Elle est bien cuite, mais assez ordinaire. Et pour le goût, les 4 fromages, ça se mélange en un goût. Je donnerai une note de 2 à 3 pour la Red Baron fromage. À bientôt, Mr. Clap. Et voilà. Donc, pour la Red Baron, 4 fromages, vous mentionnez que d'ici quelques semaines, moi, toutes les photos et vidéos qui sont faites en 2D, 3D, 360, en réalité virtuelle et en 2D, sont mises sur Google Maps. L'objectif, c'est de faire connaître les entreprises, faire connaître des produits et services, que ce soit une entreprise, la famille, que ce soit des artistes, que ce soit des personnalités publiques, d'aller mettre les photos et vidéos sur Google Maps. Ensuite, il y a des vues, les gens qui regardent vraiment. Puis généralement, c'est des locaux. En dehors que quand c'est touristique, là, c'est mondial. Mais en général, dépendant de ce que je vais à des endroits, les statistiques qu'on va retrouver sur Google Maps, c'est des locaux. Donc, personne locale. Donc, vous aurez bientôt les statistiques de ce produit. Donc, je vais refaire un autre 30 secondes, passer des 30 secondes. Donc, une note de 2, maximum 3 pour la 4 fromages Red Baron. Évaluation pour le goût et pour la totalité, pour l'ensemble, je donnerai 2-3 maximum sur 10. Donc, vous allez avoir les statistiques des vues. Je commence à les mettre immédiatement sur Google Maps. Et dans quelques semaines, je vais faire une vidéo sur YouTube et un peu partout. Instagram, etc., vous verrez les statistiques des vues, ceux qui ont regardé. Donc, et voilà, c'est tout. À la prochaine. Pour le plaisir et pour le goût, Mr. Clap, Monsieur Clap, InfoClap Map de Beauport, Québec, Canada. Et pour le plaisir de vous donner mes commentaires sur cette pizza que je vais essayer et vous donner comment je la trouve. Au niveau de la cuisson, le rendu par rapport à la photo aussi qu'on voit ici. Donc, et on a des belles photos derrière aussi, une belle photo. On va voir sur cette pizza que je vais essayer et vous donner comment je la trouve. Au niveau de la cuisson, le rendu par rapport à la photo aussi qu'on voit ici. Donc, et on a des belles photos derrière aussi, une belle photo. On va voir si c'est le rendu est pareil. Donc, pour ça, on va y aller avec des 30 secondes parce que ça va aller sur Google Maps en même temps. Je vais faire un film complet par la suite. Donc, Mr. Clap teste un produit sur le marché alimentation. Donc, notre bonne pizza Red Baron, 4 fromages. Donc, un test. Aujourd'hui, on est le 12 janvier 2024, Beauport, Québec, Canada. Donc, ensuite, je vous donne mon évaluation. OK. C'est parti. Sur cette pizza que je vais essayer et vous donner comment je la trouve. Au niveau de la cuisson, le rendu par rapport à la photo aussi qu'on voit ici. Donc, et on a des belles photos
Derrière aussi, une belle photo. On va voir si...